On raconte qu'un curé de campagne, l'abbé Saunière, arrivé dans ce petit village de montagne il y a une centaine d'années, ou un peu plus peut-être, aurait découvert, en faisant des travaux dans l'église, des indications le menant un beau jour, après un véritable jeu de pistes semé d'énigmes, jusqu'à un trésor. Toujours est-il qu'à la grande stupeur de ses paroissiens, il est devenu riche comme Crésus, du jour au lendemain. Il se lance alors dans des travaux titanesques. Il fait des rénovations dans l'église et construit une superbe villa dédiée à Marie-Madeleine, la Villa Bethania.